Bonjour, Zineb Lamarti, coach scolaire certifiée et fondatrice du centre Smart Coaching Scolaire. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous traiterons le sujet des devoirs de vacances. Est-ce une bonne idée? À quelle période il faut les faire? Et comment faut-il les faire? Ce qui est clair, c'est que les vacances doivent rester des vacances. C'est une longue récréation entre les deux temps de la vie d'un enfant. D'abord, le temps scolaire et le temps de la détente. Il est important de savoir que les vacances peuvent être rythmées en plusieurs périodes. D'abord, la période de détente, la période de voyage, la période de l'ennui, et puis peut-être la période des devoirs de vacances. Certains enfants en ont besoin. Et puis la véritable question est, à quelle période doivent-ils travailler? Est-ce en première partie? Est-ce juste avant la rentrée scolaire? Et puis, que doivent-ils faire? Et par ailleurs, d'autres enfants n'en ont absolument pas besoin. Mais le paradoxe est de taille, ce sont ces enfants-là qui demandent à travailler pendant l'été. Il y a plusieurs effets très positifs concernant ces vacances scolaires, mais mon avis n'est pas tranché à ce sujet-là, parce que autant certains enfants en ont besoin, comme je l'ai dit, et autant d'autres n'ont absolument pas besoin des devoirs de vacances. Les vacances sont longues. Et puis, il est réellement possible d'oublier les acquis de l'année passée. Il est donc important de les stimuler. Il faut évidemment que le temps de travail soit bien réparti durant toute la période de vacances. Il ne sert à rien d'imposer un rythme effréné aux enfants. L'idée est de pouvoir cibler les matières dont ils ont besoin et de consolider les informations non acquises pendant l'année passée. Donc, acheter des cahiers de vacances, peut-être pas, mais de cibler l'information et de cibler les matières dont ils ont besoin, oui, c'est la meilleure solution. L'idéal, selon moi, serait de faire travailler un mois sur deux l'enfant. Et pendant ce mois, le faire travailler ne sera-ce qu'une heure ou 1h30 par jour en fonction de son âge. Les devoirs de vacances aussi permettent aux enfants angoissés de pouvoir travailler sereinement, de pouvoir être dans un moment de détente et de travail, de joie et de gaieté. Et cela leur permettra de prendre confiance en eux petit à petit. Il ne sert à rien de faire travailler des enfants contre leur gré. Cela les braquera davantage contre l'école et les parents. Travailler pendant l'été est souvent source de frustration, de punition. Et puis personne ne gagne à ce jeu-là. L'idée est de trouver un compromis entre vous et votre enfant pour que l'enfant accepte cet exercice qui est souvent source de frustration ou peut-être de punition. Et puis pour les enfants qui en ont vraiment besoin, l'idée est de pouvoir trouver un moment idéal. Peut-être le matin, peut-être en fin d'après-midi. Encore une fois, c'est lui qui décide. Une heure trente par jour, c'est suffisant, ne pas forcer sur l'enfant et dépendamment de son âge aussi. Et pour finir, une semaine avant la rentrée, il faudrait peut-être les remettre dans le rythme scolaire. Ces longues vacances auront fatalement fait perdre les repères de nos enfants. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.